Bonsoir à tous et bienvenue à tous pour ce numéro 6 de Bistronomie. Comme d'habitude, nous retrouvons entre amis pour se poser des questions, tenter de faire marcher nos ménages. Ce soir, nous aurons avec nous l'inqualifiable Dave. Salut à tous. L'incompréhensible James. Bonsoir, je vous aime. Van Grigri qui quitte la surveillance du chat pour participer avec nous. Van Grigri, tu as le niveau, tu crois ? Je tenterai. Bonjour à tous. Et le chat est lorgné, scruté de près ce soir par Ju. Ju, dans quel état d'esprit es-tu ? Ah, ça va le faire, je pense. Bien, comme nous sommes tous prêts, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une première question. En Tasmanie, il y a des crop circles qui ont été observés. Alors, est-ce bien la peine que je redéfinisse ce que sont des crop circles ? C'est alors déjà, attends. Vas-y. Déjà, il faudrait éviter les anglicismes, n'est-ce pas ? Mmh. Parce qu'il y a un terme en bon français, c'est un agroglyphe. Très bien. Une fois de plus, il essaie de montrer sa culture. Alors, des agroglyphes ont été observés en Tasmanie. On est sûr que ceux-là ne sont ni d'origine extraterrestre, ni d'origine interdimensionnelle. Pourquoi, à votre avis ? C'est un phénomène animalier ? C'est un phénomène animalier. C'est un rongeur ? Ce n'est pas un rongeur. Un marsupial ? C'est un marsupial, oui. C'est le diable de Tasmanie qui est dans ça ? Non. C'est un volatile ? Non, c'est un marsupial, c'est pas un volatile, donc. Ah oui, c'est vrai. James Van Grigri. Culture de... je sèche, je vais pas mentir, je sèche, là, complètement. C'est dans le chat, on a Sympathique Boy qui nous demande, c'est un singe qui fait ça. Alors, qu'on te prévienne, Ju, Sympathique Boy, il aime bien les singes. Récurrent. C'est pour ça que, à la limite, je te donnerai la parole pour faire parler le chat, parce que sinon, certains, comme Sympathique Boy, vont vouloir parler de singes tout le temps et mettre des photos de nu avec des singes, ça va être compliqué. Donc, c'est gênant, même. Oui. Donc, c'est un marsupial qui serait, on est sûr qu'il est la cause de ces crop circles, de ces agroglyphes. Très bien. Mais il faut m'en dire plus. Quel est ce phénomène? C'est pour définir un champ. C'est pas pour la reproduction. Pour définir un territoire? Alors, c'est pour définir un territoire, alors que, revoilà la sous-préfète Nico qui nous rejoint. Nico, comment vas-tu en pleine émission? Voilà, il est là. Petit souci de micro. Il allume les bobines. Salut Nico. Nico, eh oui, c'est la bonhomie, c'est la convivialité ici. Nico qui était aux toilettes, ce petit pipi Nico, ça s'est bien passé? À ce niveau-là, c'était un gros pipi. Hein. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Donc je repose ma question pour toi Nico. En Tasmanie, il y a des crop circles ou agroglyphes qui ont été observés. On est sûr qu'ils sont d'origine animale et marsupiale. Quel est ce phénomène? Le diable de Tasmanie qui tourne en rond? Non. C'est pas un koala, quand même. Non. C'est un espèce de kangourou. Je sais même pas s'ils sont en Tasmanie. Oui, c'est des wallabies, pour être plus précis, qui seraient responsables de ces crop circles. Alors, ils marquent leur territoire en... Alors, ils tournent en rond, oui. Mais pourquoi? Ils ne marquent pas leur territoire. Ils se courent les uns après les autres pour faire des démonstrations pour les femelles. Non, c'est pas lié à la reproduction. Ils agrandissent le cercle progressivement pour prévenir des prédateurs et puis pour voir où ils vont. Non. Ils frappent le... ils sont herbivores. C'est bien des herbivores. Les... Tout à fait, ouais. Ouais. Oui. Ah, dans le chat, on me dit ils niquent les récoltes tout simplement pour faire chier. Non plus, c'est pas ça. Ils suivent le soleil? Non. Alors, je vous aide, non. Indice, c'est lié au produit, enfin pardon, c'est lié à la plante qui est cultivée. Ah, entendu. Ils sont intoxiqués, c'est une plante, une espèce de drogue. Eucalyptus? Faut préciser, Van Grigri, tu peux potentiellement avoir le point. Cannabis, cocaïne, c'est pavot, je sais pas. Non, c'est de l'ivresse, plutôt, ça fait de l'alcool. À force d'en bouffer, ils tournent en rond parce qu'ils sont ivres. Alors, la bonne réponse a été donnée par Van Grigri, mais comme il a proposé 26 000 trucs, je peux pas décemment lui donner le point. Nous donnerons un point à James pour son première émission avec nous. Oh, effectivement, ce sont des champs de pavots. Et pour une raison inexplicable, quand les wallabies mangent le pavot, hein, donc qui est la base, forcément le pavot qui est la base pour faire de la morphine, pardon, ils sont foncedés total et ils tournent en rond pour une raison inexplicable. Et ça fait des aéroglyphes très sympas, des formes un petit peu... Agroglyphes, pardon. Non, mais peut-être qu'avec le pavot, ça devient des aéroglyphes. Tu sais pas, Dave. Tu sais pas. T'es pas au courant. Ouais, sais pas. Ouais. Ah, mais du coup, on a l'explication pour les autres pays. Enfin, en Angleterre, c'est pas les kangourous qui boivent, mais il y a d'autres personnes qui peuvent aller dans les champs bourrés, non? Oui, mais alors là, a priori, d'après même les quelques images que j'ai vues, quand j'ai creusé un petit peu, ils sont assez réguliers dans leur façon de tourner en rond défoncé.
et ça fait des formes plutôt sympas. Ce sont donc des agroglyphes de wallabies défoncés. Voilà, messieurs, le premier point ira par James. Hein. Bravo. Certains appelleront ça de la pitié, d'autres de la bienveillance. Question suivante. Le Grand Prix automobile de Belgique de 1960, il fut dramatique, car il y a eu deux pilotes qui sont morts. Pour deux raisons différentes, il y a donc deux points à récolter sur cette question. Quelles sont les deux causes de décès de ces deux pilotes ? Un arrêt cardiaque, je crois. Ni incendie, ni arrêt cardiaque. Pour rejoindre la question d'avant, overdose ou coma éthylique ? Non. Décapitation ? Un point pour Nico. Un des personnages qui a quitté la route, et à l'époque, c'était pas le même système de sécurité que maintenant, il y avait des barbelés. Il est passé à travers les barbelés, il a été littéralement décapité. C'est Chris Bristow. Il a été éjecté de sa voiture, il est arrivé dans les barbelés, il était décapité. Chris Bristow. Et le deuxième, comment il est mort ? C'est absurde. En prenant la tête de celui qui était décapité dans la tête ? Non. Empalé ? Non. Crise cardiaque, il a eu peur ? Non. Broyé ? Non. Suicide ? Non. Pour trouver la bonne réponse, il va falloir aller creuser du côté de ce qui a causé son accident, sa sortie de route. Sabotage ? Non. Est-ce que c'est lié à un suraccident ? C'était pas lié à un suraccident. C'est animalier ? C'est lié au moteur ? C'est lié au fonctionnement du moteur ? Alors, après ça va se jouer au buzzer. Je dis oui à Dave. Vas-y. Sympathique boy dans le chat, il dit regardez une pétasse dans la tribune. Non, et oui Dave, c'est une cause animalière. C'est un oiseau dans l'aérateur. Un chat dans le moteur ? Presque, Dave, tu brûles. Non, c'est Dave, il brûle, il est surbrûlant. Un lapin dans l'aérateur. Non. Non. Un volatile dans sa tête. Sur une grande ligne droite, vitesse max, il a pris un oiseau dans la tronche, dans le casque. KO, sortie de route, il est mort. On va annoncer cancer plutôt. Voilà. C'est donc les deux morts terribles sur ce Grand Prix de Belgique en 1960. Un était décapité après avoir été éjecté de son véhicule dans les barbelés. Et l'autre est mort car il était assommé en prenant un oiseau dans la tête. Il a quitté la route. Un point pour Nico, point pour Dave. C'est arrivé plusieurs fois la décapitation. Moi, j'ai déjà vu des courses, en général anciennes, où c'est souvent ça, les fils de fer des clôtures. Et décapité, ouais. Et surtout les cabriolets. Ils auraient pu les laisser, ces fils de fer, quand même. Ça aurait été plus cool à regarder leur course. Oh non, alors, ils les ont laissés. Je fais un petit rappel des points. Hein. Dave, un point. Nico, un point. James, un point. Question suivante. Déjà, ça va commencer par un sondage. Lequel d'entre vous connaît le jeu GoldenEye sur Nintendo 64, Dave ? Moi, Dave, oui. James ? Moi, oui. Et Van Gogh ? J'étais le meilleur. Tout le monde le connaît. Oh. Ce jeu a une particularité dans sa conception. Quel est-il ? C'était le premier où on pouvait jouer à écran à 4 ? Du tout. On pouvait se voir dans l'écran de l'adversaire ? Non. Les impacts de balles qui restent un certain temps sur les parois ? Non. Alors attention, ne rentrez pas dans le... Non, voilà. Ce n'a pas à voir avec le gameplay. C'est dans la conception technique du jeu. Alors, ils ont utilisé... Attends, Dave, question du chat. Addition des vitesses des axes X et Y pour aller plus vite. Non. Ils ont utilisé des vrais acteurs ? En photo ? Non. Bah, si tu te rappelles bien des visages, Dave, non, je pense pas. Ou alors, les mecs étaient handicapés. Ouais, en basse résolution, quoi. Ouais, ils avaient un moteur 3D tout nouveau pour l'époque. Non. Ça a à voir avec la licence qu'ils ont galéré à obtenir. Non. Mais ça a à voir avec la filmographie de James Bond ? Non, du tout. Dans la conception technique. C'est la compagnie qui a eu des problèmes pour le faire ? Du tout. Ils ont codé ça en JavaScript. Non, c'est pas JavaScript. Ça a été fait avec Xinoisine ? Non plus. T'as un petit budget ? Très petit budget ? Alors, c'est pas ça la réponse du tout, mais ça pourrait être presque l'idée. Ah, c'était un assembleur, ça ? Ils avaient un nouveau moteur ? Non. C'est un moteur ? Non. C'était le plus cher budget de l'époque, non ? Absolument pas, justement, c'est l'exact inverse. Ah bah, ça a été dit, non ? Alors, non, c'est pas ça qu'on fait la spécificité, mais... C'était pas le moins cher budget de l'époque, mais c'est dans cette idée-là. C'est le jeu qui a nécessité l'équipe la plus réduite, le moins d'effectifs. Alors, je vais donner un point à Van Grigri, parce que c'est pas exactement le jeu qui a nécessité l'équipe la moins réduite, mais GoldenEye sur Nintendo 64 était un succès mondial. Je me rappelle y avoir joué à la fac à 4 la nuit, on dormait pas, c'était un excellent jeu, là on finit dans tous les sens. Ce jeu a été codé, construit de A à Z par une équipe de 10 développeurs, dont un seul qui avait déjà travaillé sur un jeu vidéo. Une équipe extrêmement réduite. Malaise. Et ils sont connus pour ça. Rappelez-vous, RCP, Remote Mine, Proximity Mine, enfin bon, bref, ce genre. Ouais, mythique.
Donc, ça raccorde avec une autre anecdote que je ne peux me retenir de vous raconter. Un autre monstre du jeu vidéo, qui a une licence qui a vendu des millions de soft, Prince of Persia, qui a été codé par une seule personne, un étudiant en informatique. Il a demandé à son petit frère de faire des exercices physiques pour pouvoir le filmer et numériser le résultat en 1985. Prince of Persia, qui était connu pour les animations et la fluidité du personnage. Voilà, comme quoi, pas la peine d'être des millions de développeurs pour faire des jeux de qualité. Le point va donc à Vendrigri. Tout le monde a un point. Tout le monde est heureux. La vie est belle. Question suivante. Que mon premier point a été spolié par le nouvel arrivant. Je tenais à le rappeler. Oui, mais nous sommes des gens chaleureux et accueillants. Pour une chronique dont j'en ai entendu beaucoup de bien. Question suivante. Les pays scandinaves, en moyenne, ont un excellent niveau d'anglais, avec 80-90% à peu près de la population qui parle couramment cette langue. Il y a deux principaux facteurs. Le premier facteur, c'est que l'apprentissage de l'anglais commence dès 3 ans dans les pays scandinaves. Mais le deuxième facteur est moins connu et beaucoup plus intéressant. Quel est ce facteur? Ils ont un bon système de poste. De poste? Parce qu'ils ont beaucoup de facteurs. Moi, j'aurais dit le packaging dans le commerce. Non. Il n'y a pas d'industrie du doublage. Le point va, Dave. Oh, tu m'as pris au buzzer. Bien joué, Dave. Ah, t'allais dire ça avant, Vivi? C'était en cours. Eh bien, oui, exactement. Il y a une absence de doublage dans leur langue natale pour la majorité des films et des séries. Donc, pour regarder Game of Thrones, autre Walking Dead, autre blockbuster de Star Wars, tout ce que tu veux, il n'y a pas le choix, Jeannot. Il faut comprendre l'anglais. Il y a les sous-titres aussi. Hein. Alors, a priori, pas spécialement. C'est assez faiblard dans ce domaine. Il peut y avoir, mais c'est assez faiblard dans le domaine. Donc, les gens sont plus amenés ou obligés à comprendre la langue de notre ami Shakespeare. Je vais passer le relais à Dave pour une chronique qu'il va vous présenter lui-même. Merci au forceps. Alors, vous vous souvenez, peut-être pour les premiers bistronautes, nous avions fait un questionnaire spécial brevet des collèges pour voir si nos bistronautes avaient le niveau moyen d'un collégien. Aujourd'hui, c'est un autre palier et j'espère que vous serez prompt et rapide pour égaler les Miss France. Je vais vous faire une sélection de questions qui ont été posées aux Miss France dans le cadre donc de la compétition et de celle de 2013 en l'occurrence. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Moi, je veux taper dans le monde. Complètement. Alors, moi, j'ai pas de maillot. Ok, alors, quel acteur a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour le film The Artist en 2012? Jean-Jardin. Bien, citer un film réalisé par Luc Besson. Le Grand Bleu. Taxi. Le Grand Bleu. Très bien. Où se déroulent les Energy Music Awards? Aucune idée. Sur MTV. Paris. Ah, non. À Paris. Londres. Non. New York. Ah. Los Angeles. Alors, c'est en France, hein. C'est Énergie comme la station de radio française. Hein. À Cannes. Ah, Énergie. Oui, ouais, bah, Cannes. Oui, à Cannes. Ah, j'ai pas compris Énergie, moi. Alors, littérature, hein. Question littérature. Qu'est-ce que le Goncourt? C'est une vraie question, ça? Attends, demander aux Miss France, oui. Ouais, c'est une récompense littéraire. Très bien, très bien. Alors, qui est l'ambassadrice du parfum Miss Dior? Ah, c'est pas celle qui joue la princesse Leia? Enfin, la fille du princesse Leia, The Swan, là, comment elle s'appelle? Moi, c'est hors de mon champ de compétences. Pareil, mais moi, j'aurais plus vu celle qui joue dans Pirates des Caraïbes, mais bon. Ah merde, je sais pas. Je sais pas. Alors, ça a été dit, forceps. Je sais pas comment elle s'appelle, cette dame. Nathalie Portman. Et bravo. Il y a Lou qui nous a sorti Nathalie Portman, mais en même temps dans le chat. Ouais, mais Lou, voilà, on lui laisse le point. Alors, peut-être que Lou est une Miss France. Ah oui, peut-être. Alors, histoire géo, quel événement historique célèbre-t-on en France le 14 juillet? Sérieusement? La prise de la Bastille. Bien sûr. La prise de la Bastille. Bon. On est obligé de répondre en fait ou... Non, mais quel océan borde de l'île Maurice? Indien. Maurice. Non. Océan Indien. Bien, bien, ça a été dit. C'est la mer Noire? La mer Noire? Non, océan. Bon, alors, ça date de 2013. Alors, quel événement la reine Elisabeth II a-t-elle célébré cette année? Je pense que vous pouvez avoir raison, à coup sûr. Je pense qu'on peut dire ça, oui. Ouais. Sa ménopause? Alors, économie, on aura demandé... Non, si c'était sa ménopause, ce serait les 50 ans. Ah, c'était il y a un moment, sûrement, la ménopause de la reine mère. Alors, économie, attention, c'est du sérieux. Que signifient les initiales FMI? Fonds monétaire international. Bien. Et on aura demandé aux Miss France quel est le prix moyen d'une baguette de pain? 200 000 euros. 1 euro.
Alors là, il n'y a pas la réponse hein, en l'occurrence. Quelques questions sport. On aura demandé qui a gagné Roland-Garros en 2012. Est-ce qu'on a des fans de tennis? Ah non, c'est quand on dit quoi, qui a perdu. Schumacher. Et quelle équipe a gagné la Coupe du Monde en 2010 de football? Schumacher. Italie. Nathalie Portman. Nathalie Portman, c'est ça. Alors, logique mathématique. Combien font 2% de 140? 2% de 140? Ça fait 28. 2,8. 2,8. Ah, 2,8, ouais, 28. Non, mais c'est, ça va continuer comme ça? Oh, hey, sois patient, c'est presque fini. Quelle est la racine carrée de 9? 28. Donc, vous avez là une sélection de questions qui nous permettent de juger, je pense, de la plus belle femme à la fois sur sa beauté extérieure, mais aussi sur sa connaissance et sa beauté intérieure. C'est beau. J'ai envie de chialer, putain. Je dois dire que vous êtes quasiment aussi bon que les Miss France. Hein. Puis moi, je suis gaulé à peu près pareil, donc je vais m'inscrire. Merci. Tu as des seins, je savais pas. C'est nouveau. Ouais, il a la moustache, c'est bon. Non, on n'a pas dit Miss Portugal. On m'a dit que ça passe pour 2022, la moustache. Hein. Bien, forcément, je te rends l'antenne. Merci, Dave. Merci, Dave. Dave, hein, un habitué de la nuit, des Miss et ce monde très particulier du showbiz. Il nous fait profiter. Moi, je dis, à quand une Miss France israélienne, quand même? Parce que quelque part, Israël fait partie de la France. Pourquoi pas, il y a un truc à faire. Espérons qu'elle ne prenne pas des caillasses en défilant. Bien. Question suivante. D'après une étude réalisée sur les ouragans aux États-Unis, il apparaît que ceux portant un prénom féminin sont 3 fois plus meurtriers. Pourquoi? Parce que... Donc, tu peux répéter la question? Aux États-Unis, il y a une étude qui a été réalisée sur les ouragans et les dégâts qu'ils faisaient, le nombre de morts. Et il se trouve que les ouragans qui portent un nom féminin font 3 fois plus de morts. Parce qu'ils viennent du Pacifique. Non. Parce qu'ils viennent de l'Atlantique. Non. C'est la raison pour laquelle on leur donne des prénoms féminins et non masculins. C'est parce que c'est un phénomène terrestre et non pas maritime. Non. Je rappelle que le nom de l'ouragan peut être donné alors qu'il est à peine déclaré. Quand on perçoit dans les mouvements de l'atmosphère des différences de pression, on peut considérer qu'il va y avoir un ouragan. À ce moment-là, avant même qu'il ait fait le moins de dégâts, on peut lui donner un nom. Mmh. Est-ce que c'est lié à sa zone géographique de création? Non. Est-ce que c'est lié à sa direction de rotation? Non. À sa saison? À la saison à laquelle il apparaît? Non. Est-ce qu'il y a des réponses de la part du chat sur une question complexe comme ça? Non, pour l'instant, rien. D'accord. Je donne la parole à Sympathy Boy. Est-ce que c'est un rapport avec les singes? Non. Est-ce que c'est un rapport avec la personne qu'il a nommée? Non. Avec l'année? Non. Il y a des années filles et des années garçons. C'est pas comme les chiens ou dans N, les années en T. Non, non. Pour les chevaux. Parce que ça correspond à une salope. Donc, j'ai cherché un terme mieux, mais je l'ai pas trouvé sur le coup. Alors là, on l'attendait. Non, mais non, c'est incompréhensible ce que tu racontes. Je sais pas pourquoi c'est ceux qui ont des noms de femmes qui sont les plus meurtriers, mais on m'avait donné l'explication pour laquelle on donnait des noms de femmes aux ouragans, c'est parce que quand elles arrivent, elles sont chaudes et humides, et quand elles repartent, t'as plus de voiture, plus de portefeuille et plus de maison. Mais... Dieu, est-ce que t'as une réponse de la part du chat à ce sujet? J'ai un « parce qu'on pense que les femmes sont plus faibles ». Ça chauffe! C'est quasiment l'idée, on s'en rapproche, il y a quelque chose comme ça. Ah, c'est pour adoucir le fait que ça va tout casser? Ah, c'est une femme, tranquille les gars. Allez, je vous propose qu'on donne le point à Lou parce qu'elle a mis Nico sur les rails. Et oui, quand le nom de l'ouragan est donné, la manière dont la population, du coup, s'en méfie, c'est qu'en associant le nom à la féminité, à la douceur, à une forme de douceur, eh ben, bêtement, les populations ont tendance à moins se protéger lorsque l'ouragan arrive. Je veux dire, entre un ouragan qui s'appelle Mélanie et un autre qui s'appelle Adolphe, étrangement, les gens vont tendance à avoir moins se protéger, compagnie. Bah, c'est bon, pas si moi, je dirais ça. Pour ceux qui ont. Moi, c'est pas féministe, pour le coup. Pour ceux qui ont une histoire avec les femmes, ouais, peut-être qu'ils vont avoir tendance à mieux se planquer. Non, mais ça a rien de. Je sais pas. La femme, c'est classiquement dans l'imaginaire collectif, c'est plus doux qu'un homme, non? Peterson va sortir. Voilà, sort de ce corps, Peterson. Non, mais la femme est classiquement plus douce que l'homme, donc. Eh ben, grâce à cette vision des choses, ou à cause, pas grâce, à cause de cette vision des choses. Et oui, eh bien, les ouragans avec des noms féminins font 3 fois plus de morts. Eh oui, c'est anxiogène. Les gens se préparent moins, se protègent moins. Ben moi, ma femme de ménage, elle s'appelle Katrina.
Si j'avais été en Louisiane, j'aurais vraiment fermé toutes les portes et les fenêtres. Parce que les voleuses, celles-là. Et voilà. Donc, le point va au chat. Va à Lou. Bravo à toi. Question suivante. Alors, celle-là, moi, cette question-là, en cherchant les questions, celle-là, elle m'a scié les pattes. J'ai revérifié parce que j'y croyais même pas. Entre 2011 et 2014, la Chine a utilisé un matériau plus que les États-Unis durant tout le XXe siècle. Quel est ce matériau ? Le diamant. Non. Le charbon ? Non. Le béton ? Allez, je vais donner le point à James, c'est le ciment. Donc, voilà, il y a une différence entre le ciment et le béton. Le béton, il y a un apport de pierre ou au moins du sable. Bah, enfin, ouais. Le béton, c'est l'altitude. Oui, c'est ça, c'est la question. Plus du ciment. Donc, et effectivement, alors ça, j'ai vu ça, alors ça vous surprend peut-être pas, mais moi j'ai complètement. Ça m'a scié les pattes. Entre 2011 et 2014, la Chine utilisait plus de ciment que les États-Unis durant tout le XXe siècle. Les États-Unis ont consommé 4,4 gigatonnes de ciment pendant un siècle, contre 6,6 gigatonnes pour la Chine en seulement 3 ans. La Chine consomme aujourd'hui, elle seule, tous les ans, 58% de la consommation, de la production mondiale. En sachant que oui, c'est la chaux avant tout, principalement le ciment. Après, les maisons américaines, vous avez vu comment elles sont branlées, quoi. C'est 3 palettes, un rideau, bon. Bien sûr, mais il n'empêche que ça quand même... Ça... Non, il n'y a que moi qui ai les pâtissiers. Bon, ben, je suis fragile. Et le point va à James. Merci. C'est sûr, toi, James. Question suivante. Bravo. Question suivante. En Indre-et-Loire, à côté de la ville de Tours, il y a une ville qui s'appelle la Ville aux Dames, qui abrite 5000 habitants. Cette ville, elle a une particularité dans la dénomination de ses rues. Quelle est-elle ? C'est que des noms de femmes. Oh là là, c'est incroyable ce soir, mais ça marche sur l'eau. Est-ce que tu multiplies les pains ? Tu changes l'eau en vin, habituellement ? C'est évident. C'est évident. Il me semblait aussi que l'intitulé de la ville, déjà, mettait sur la voie. Ouais. Ah, je me suis posé la question de ne pas vous dire le nom de la ville, je n'aurais pas dû. Effectivement, c'est une conseillère municipale qui a voulu adopter cette originalité en 1974 et que tous les noms des rues, des monuments, des bâtiments importants, c'est des noms de femmes. Sauf, une question de plus, une question bonus. À votre avis, qui est concerné par l'impasse de la Dame en Noir ? Le funérarium, les pompes funèbres. Non. De qui est-ce qu'il s'agit ? Napoléon ? Non. C'est un rapport avec la mort ? Non. C'est un rapport avec une femme politique ? Non. Si je comprends bien, il faut essayer de trouver quoi, parce que est-ce qu'il faut trouver le rapport qui, enfin ce qu'il y a dans la rue, ou pourquoi on a nommé la rue comme ça? Pourquoi on a nommé la rue comme ça? À qui cela faisait-il, à qui cela rendait-il hommage? Edith Piaf? Non. Sarah Bernard? Non. Nathalie Portman? Non. C'est la mort? Le singe? Non plus et non plus. C'est la mer Noire? Non. Elle est dure cette question. Je peux vous aider hein, si vous ne trouvez pas. Alors je vous aide. Bah, c'est contemporain? Non. En fait, dans ce petit village de 5000 habitants, il n'y a pas eu de grande célébrité qui a grandi dans le village. Il n'y a pas eu une personne spécialement du village qu'il a fallu célébrer, sauf une. Pendant la deuxième guerre. Pendant la guerre. Une dame qui a perdu. Non. Sa famille. Non. C'est en rapport avec la guerre. Il y a un homme qui a caché et sauvé plein de personnes pendant la guerre. C'était le curé. Et comme il fallait que ce soit forcément un nom relatif à une femme, ils n'allaient pas l'appeler la rue Madame le Curé. Donc, la rue s'appelle l'impasse de la Dame en Noir. C'est pratiquement impossible à trouver. Ça aurait bien plus de gueule, l'impasse de la Dame Antium, mais ça s'appelle l'impasse de la Dame en Noir. Il faut connaître les comics. Tout à fait. Donc, le point va vous. Il est exclu. Il faut connaître la croissance d'homosexuels chez les curés. Non, mais c'est assez fou que la seule rue qui veuille célébrer un homme, c'est la Dame en Noir, quoi. Et que ce soit un religieux. Bref. C'est fou que le diocèse ait accepté ça, franchement. Je suis pas sûr que le diocèse ait son mot à dire. Mais oui. Question suivante. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est la superfétation? Il n'y a pas longtemps, putain. C'est une figure de style? Non. C'est le fait de quelque chose qui est superflu. Non, mais par contre, attention, toi, tu dois être l'écho du chat. Il parle pas dans le chat. Reste à ta place, rat de l'IRC. Mais insulte-les tous les noms, tu le fais bien, ça. Je fais croire qu'ils ont des idées. Ouais, je lui sais ce que je faisais aussi. Je posais des réponses qui étaient de moi et je disais qu'elles étaient toutes de sympathiques boys. T'inquiète. Alors, la superfétation, qu'est-ce que ça peut être? C'est un rapport avec super, déjà. Attends, c'est du domaine de la science naturelle? Oui. Donc, c'est biologique? C'est quelqu'un qui veut faire une grosse teuf, mais qui sait pas très bien écrire. Non. J'ai une définition de superfétatoire qui vient et qui repart. Ça va venir comme un coup de poing dans le visage. Ça n'a rien à voir. Ah, mais je l'ai entendu ces jours-ci aussi.
Alors, c'est un phénomène biologique. Je vous donne un indice. C'est très, très rare. Il y en a un à deux cas tous les ans dans le monde. C'est lié à des sur- ou sous-pigmentations? C'est pas lié à la non, peau? Non. C'est pas lié à l'éclipse ou à la lune? Une éclipse de soleil? Non. Alors, c'est un phénomène humain. C'est une naissance particulière, un type de naissance particulière? Oui. C'est pas les fœtus où il y en a un qui naît et l'autre se développe très lentement sur lui? Non. C'est les jumeaux? Il y a deux jumeaux ou triplés? L'observation d'un jumeau par l'enfant. Non et non. Non. Il n'est pas ici histoire de jumeaux. C'est la mer Noire? Non. L'impossibilité de définir le sexe? Non. Et j'ai pas entendu Van Grigri. L'impossibilité de définir le sexe? Non. Lié à l'utérus? C'est lié à l'utérus? Donc, calme-toi, tu as tous envie de baiser, mais non. Enfin, oui, si ça parle de la reproduction, forcément. Non, ça pourrait être lié au pénis, par exemple. Enfin bon, je sais, on a tous envie de baiser. Alors, c'est pas lié à l'acte de reproduction. C'est lié. Est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est quand tes parents noirs? Vas-y, James. Est-ce que c'est là où va se développer l'enfant qui est particulier? Enfin, c'est pas extra-utérin, mais. Est-ce que c'est lié à la couleur avec la fécondité? Attends, l'enfant gris, vas-y. Est-ce que c'est lié à la couleur des parents que des parents noirs de naissance, un enfant blanc ou vice-versa? Non. Nico? Moi, j'ai oublié. Dave, est-ce que tu as une proposition? Non, ça ne me dit rien. Je pensais à la fécondité, pardon. La fécondité. Alors, ça n'a aucun rapport avec Israël. Et donc, le point ira à personne. Il est en fait possible de tomber. Pour une femme de tomber enceinte alors qu'on l'est déjà. C'est très très rare, ça arrive une à deux fois par an. Donc, donne naissance simultanément à deux bébés qui ne sont pas du tout des jumeaux. C'est très très rare, ça s'appelle la superfétation. Alors, et c'est plus courant. Wikipédia, ils disent la superfétation est l'implantation d'une nouvelle grossesse dans un utérus qui contient déjà une grossesse en développement. C'est exactement ça. Hein. Et a priori, ce serait plus courant chez certaines espèces animales, notamment le lièvre. Donc la femelle du lièvre, le chat aussi. Peut-être chez le chat, je ne sais pas. Ouais, il me semble que ça existe chez le chat aussi. Donc c'est une grossesse double sans jumélité. Le point ira à personne. Question suivante. Quel est ah non si je fais ça ça va pas être gentil. Pourquoi la fête nationale au Vatican elle n'est pas fixe? Est-ce que vous savez ça? Quelle fête? La fête nationale. La fête nationale. Des non. Pourquoi la fête du Vatican enfin qui met en valeur quoi? Les questions, quand il y a James, il faut que je le répète deux fois. Je le refais lentement. Pourquoi la fête nationale de l'État, le Vatican, n'est pas fixe? Nous, en France, la fête nationale, c'est un jour fixe. Voilà. Pourquoi c'est pas fixe dans l'État du Vatican, la fête nationale? À cause du changement de calendrier qui avait été fait par un pape, justement. Et vous avez gardé... Non. Non. Alors, le Sympathic Boy nous propose l'anniversaire du pape. Allez. Je pense qu'on peut à peu près donner le point à Sympathic Boy. Ça va être vas-y, je l'ai dit. On n'a même pas eu le temps de répondre. Tu poses la question et le chat répond. Moi, je l'ai dit aussi. Le chat est dynamique. Non, la priorité est ici. Non. Tu l'as dit dans ta tête, on ne l'a pas entendu. Tu n'iras pas le point. Tu vas te défendre. J'ai dit les papes, le changement de pape. Ah ben, je ne l'ai pas entendu. Qui l'a entendu ici? Voilà, personne. Donc, c'est le pas grave, point c'est ira au chat. Eh bien, tu verras, tu t'excuseras. Donc l'anniversaire de la messe d'inauguration du pape et donc à chaque nouveau pape une nouvelle date de fête nationale. Je me rends devant moi. Ouais, donc Sympathic Boy proposait l'anniversaire du pape, Lou proposait le jour de l'élection, Sympathic Boy posait en question l'intronisation du pape. Alors je suis pas persuadé qu'on puisse appeler ça une élection. Je ne sais pas comment on peut dire une intronisation, sûrement. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas. Donc là, actuellement, la fête nationale du Vatican, c'est le 19 mars. Voilà, le point va donc au chat. Bravo à vous. Alors, question suivante. Je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais le gratte-ciel de Dubaï, le Burj Khalifa, je ne sais pas si on dit comme ça, Burj Khalifa, je ne sais pas. On n'a pas fait une question là-dessus? Ah, c'est pas moi qui l'ai posé. Si, il y avait une question sur comment s'appelait la tour la plus haute. Voilà, mais voilà. Bien. Moi, je vais... Cette tour, elle est très particulière pour une raison religieuse et pour une raison que je vais appeler plus romantique. Quelles sont ces deux raisons qui font de cette tour Burj Khalifa un gratte-ciel tout à fait particulier? Alors, c'est religion, c'est en lien avec l'islam? Oui. C'est son orientation à la Mecque, non? Quelque chose comme ça? Non. Il y a un écho, je dis, c'est une église. Pour toucher le ciel. Une mosquée. Alors, attends, je te donnerai la parole pour le chat, mais quand même, vas-y, dis-nous. Il dit, c'est une église ou une mosquée? Non. Vas-y, Nico. Moi, je dis, c'est pour toucher le ciel.
je ne comprends pas ta réponse, donc non. Est-ce qu'il y a le nombre d'étages a un lien avec... Non. Est-ce que c'est comme le Taj Mahal? Ça ne sort pas de minaret, tu veux. Et vas-y, Van Gogh. Est-ce que c'est comme le Taj Mahal pour la raison romantique? Est-ce que c'était un cadeau de mariage, un truc comme ça? Non. Alors, c'est moi qui dis romantique, mais vous avez trouvé ça absurde. Mais c'est en lien avec l'agencement du... Je vous propose que nous commençons par la question religieuse dans un premier temps, et ça vous découlera peut-être, même très sûrement, la question romantique. Et donc, tu as ta question, Dave, vas-y, je t'écoute. Est-ce que c'est un lien avec l'agencement du bâtiment? Qu'est-ce que tu veux dire par l'agencement? Des choix d'architecture particuliers en lien avec la réponse. Eh bien, je vais te obligé de te répondre oui. Ça a à voir avec la prière, le fait. Ça a un rapport avec la prière, oui. Donc, il y a des salles spéciales. Non. Pour la... Est-ce que ça hauteur quand le building a une forme de... Attends, Rodrigue a commencé à parler, vas-y. Est-ce que quand tu es sur le sommet de la tour, tu vois un truc religieux particulier? Est-ce qu'ils ont fait en sorte de là-haut? Non. Vas-y, Nico. Moi, je pensais que la forme de l'architecture représentait un peu la prière. Mettons des bras. Non, non, non. Le temps d'heure du ramadan. De quoi? Du demeure pour le ramadan. Non. Le temps de monter tout en du pied au sommet en ascenseur, c'est le temps d'une prière. Non. Il y a des cailloux dans chaque étage pour lapider les bonnes femmes. Non. Oh. Eh ben, peut-être il y a une... Il y a un ascenseur avec une salle de prière? Non, et non pour Nico. On me dit dans le chat, elle contient une mosquée et un restaurant. Non, peut-être, mais c'est pas ça. Mais c'est la forme, c'est quoi la question? C'est sur la forme ou c'est sur la hauteur particulière? Pourquoi cette tour Burj Khalifa a quelque chose de particulier au niveau de la religion? Et c'est fait sans usure. Donc c'est plus la hauteur. Ça peut être la hauteur. Je n'ai pas dit le contraire. Vous m'avez demandé est-ce que c'est lié à l'agencement, à la structure. J'ai dit oui. C'était même lié à la hauteur. Allez, je vous aide. Attends. Vendre gris dans l'ordre, ensuite Nico, ensuite Dave. Je demandais juste si elle était soutenue par 5 piliers, comme les piliers de l'islam. Non, Nico. Est-ce que c'est la plus haute tour du coin, du pays, du continent? Oui, oui, mais c'est pas une... ça répond pas à la question, mais oui, Dave. Le nombre d'étages, c'est le nombre de versets dans le Coran? Non. C'est quel pays? Dubaï. Aucun lien avec le nombre d'étages, qu'on évacue ça tout de suite? Non. Le nombre de mètres. Le nombre de mètres, il y a autant de mètres que le nombre de pages dans le Coran, par exemple. Non plus. Dubaï, c'est pas un pays? Alors, c'est un pas un pays, c'est un... C'est pas un état, Dubaï? Je ne sais pas. Un kebab. Voilà, ça. Est-ce que c'est un rapport avec l'Iran en face? Indice. C'est lié à la hauteur du bâtiment. C'est l'âge de fondation de l'islam. Non, pourquoi la hauteur du bâtiment a obligé le département des affaires islamiques à interférer? Parce qu'il n'était pas censé dépasser une certaine limite prescrite par les saintes écritures. Non, non. Parce que d'en bas, on voit sous les burqas. Non. Parce qu'il y a une hauteur interdite par les textes. Non. Est-ce que c'est censé représenter un bâtiment des textes? Non. Alors, si vous ne trouvez pas, je vous donne la réponse. Juste, t'as pas une autre proposition du chat? Non, on me dit ça correspond à la hauteur du prophète. Non. Ça correspondait à la hauteur du prophète. Bon, non. Dubaï, c'est Émirats Arabes Unis. Hein. D'accord, ben voilà, au moins c'est bien d'en préciser. Merci, Ju. Ça a un rapport avec la hauteur ou avec les étages? Avec la hauteur. Bah, peut-être parce qu'ils avaient un certain nombre d'étages et que du coup, les étages étant pré-proportionné, il fallait pas dépasser une certaine hauteur finale. Non. Alors, est-ce qu'il y en a, je vais laisser à chacun une dernière proposition et je vais vous donner la réponse. Dave, est-ce que t'as une proposition à jeter comme ça au déboté au cas où, un truc, bon, on va voir. Non, j'ai rien de plus. James? Non, je suis déjà sur le, voilà. Nico? Non. André? La hauteur représente le nombre de vierges promises? Non. Alors, le point ira à personne. Ce gratte-ciel est si haut que tous les résidents qui sont au-dessus du 80e étage, ils assistent au coucher de soleil 2 à 3 minutes plus tard qu'au niveau du sol. Du coup, donc le département des affaires islamiques de Dubaï leur a imposé de décaler les heures de début et de fin du ramadan en conséquence. Et là où c'est un petit peu romantique, mais voilà, c'est mon côté fragile qui s'exprime, autre conséquence de cette taille de bâtiment, il est possible d'assister à 2 couchers de soleil au cours de la même journée, car le bâtiment est doté d'ascenseurs ultra rapides. Donc si on regarde un premier coucher de soleil au plus bas, on prend un ascenseur hyper rapide, et puis pof, on peut réassister à un coucher de soleil. C'est magique. Cool, quand la religion et l'architecture se complètent. Donc le point ira à personne. Question suivante. Pendant la guerre du Vietnam, les soldats américains avaient des paquets de cartes sur eux, dans leur paquetage.
Mais ces paquets de cartes avaient une spécificité. Quelle était-elle ? Ils montraient l'ennemi. Vietnamien. Alors d'abord, Nico, vas-y. Ça représentait l'ennemi. Non, c'est-à-dire vas-y. Les gens à trouver. Non, non, du tout, point de vue gris. Bah, j'avais dit pareil, alors je vais dire un truc de cul. Non. Il y avait leur propre femme dessus ou des gens de leur famille. Non. C'était des cartes de poker, que... c'est ça ? C'était c'est un... sûr qu'ils rencontraient des Américains ? C'était un jeu de poker, ouais. Enfin, un jeu, un 32 cartes. Et ils choisissaient une carte qu'ils portaient sur leur casque, c'est ça ? C'est pas ma question. Ah. C'est pas ma question. Je dis qu'ils avaient un jeu de cartes dans leur paquetage et ces jeux de cartes avaient une spécificité. C'est pour attribuer les rôles dans une équipe ? Non, Nico. Elles étaient en plastique à cause de l'humidité du Vietnam. Non, Van Grigri. Elle représentait toutes les unités présentes, toutes les unités américaines présentes là-bas. Non. C'est pour déterminer un rôle à chacun. Enfin, pas à non, chacun, non. Parce qu'il n'y a peut-être pas autant de cartes que de. C'est au niveau pratique, les dimensions, non ? Non, du tout. C'était en rapport avec l'ennemi. Les phrases de base, les phrases, c'est pour communiquer. Non. Ah, c'est pour être identifié en tant qu'Américain par les autres. Non. Pour se détendre. Non. Il n'y a pas une histoire avec les Nord-Coréens aussi, peut-être les Sud-Coréens. Là, déjà, on est au Vietnam. Là. Ah, pardon, fou là, alors, d'accord. Alors, je vous aide un petit peu, on va essayer plus loin. Le jeu, dans sa distribution, pardon, n'était composé que d'une seule et même carte. C'était 32 fois la même carte. Mort au communisme. Non, tu n'as pas du tout dit proposition de la part du chat. C'était un l'as de pique. Attendez, je pose une question à Jules. T'as pas de proposition de la part du... On me dit des nanas à poil dessus, des pin-up, des cartes à jouer, il manquait des cartes, il n'y avait pas de roi et de reine dessus, c'était des figures vietnamiennes où elles étaient codées. Donc non, vas-y James. Non, mais si, on l'a dit en même temps, donc je suis pas le seul. Non. T'as dit quoi, j'ai pas entendu du coup. Je disais, c'est un as de pique. Exactement, donc ce jeu comportait que des as de pique. Donc le point ira à James. Ça, c'est une chose. Mais pourquoi... C'est moi qui l'ai dit. On voit Nico, je ne sais pas, peu importe, mettez-vous d'accord. Mais pourquoi il n'y avait que des as de pique ? Attends, on pouvait jouer avec quand même ? Non. Donc ça ne servait pas à jouer. Exactement. Elles avaient une autre utilité, ces cartes. Oui. Elles étaient phosphorescentes. Pour identifier ceux qui étaient malades dans l'équipe ? Non, et non. Je rappelle qu'il n'y avait que des as de pique. Les laisser traîner dans la forêt pour laisser des marques ? Non. Pour reconnaître les gradés, peut-être Non, je vois pas comment, mais non. Bah, tu mets une... Alors, l'infirmier ? Non plus. Alors, chacun avait un jeu sur lui, je vous rappelle. Hein. Alors, je vais vous aider. On va... Ça servait de monnaie. Pour allumer un feu ? Non plus. Après, on a du mal à comprendre pourquoi l'as de pique serait plus utile pour allumer un feu. Donc, en fait, je vais... je sais pas si le point va à Nico, à James. Je propose que nous le donnions à Dav ou à Van Gury. Ou à Simus Sapiens. Bref, ces Yankees, tout badaud qu'il fût, avaient oui dire que pour le Viet Cong et leur superstition reconnue, cette carte était synonyme de mort dans leur culture. Alors, ils laissaient une carte comme ça sur les dépouilles des soldats ou dans la jungle pour les effrayer. Et après la guerre, ils se sont rendu compte qu'en fait, les soldats, le Viet Cong s'en branlait complètement. Ils sont juste passés pour des cons avec leur as de pique qu'ils mettaient partout. Et donc, certains mettaient un as de pique comme ça sur leur casque. Hein, on y a des représentations dans des films ou dans d'autres œuvres de fiction. Et ils sont juste passés pour des gros glands, pour préciser. En fait, les Vietnamiens, dans leur grande majorité, s'en foutaient complètement. Mais quand tu vois justement le taux de... la vitesse moyenne à laquelle mourait un soldat américain, c'était pas faux, la superstition vietnamienne. Si t'avais des as de pique sur toi, tu vivais pas longtemps. Il y a quelque chose comme ça. Donc, le point ira à tous les affamés de la Terre et ainsi que à ceux qui souffrent. Question suivante. Alors, j'ai pas du tout vu l'heure, hein. Vous m'arrêtez quand on est, quand ce sera l'heure. Le cétacé, le narval, qui est un cousin de la baleine, a un trait caractéristique. Tout le monde le sait, c'est quoi le trait caractéristique du narval? Un rostre. Il a un rostre, oui. Donc, il a un rostre ou une corne qui peut atteindre 3 mètres. D'accord. Mais ce n'est pas une corne, physiologiquement parlant. C'est quoi ? C'est un os. Un os. C'est une dent. Presque. C'est une dent. Bien. Mettons-nous d'accord là-dessus. Sympathique Boy nous a dit tout de suite dans le chat, c'est une longue incisive. C'est une dent. Maintenant, à quoi sert cette dent ? Truc nuptiaux ? Non. À gratter le sol ou la glace. À perforer son adversaire. Non. À faire son nid. Non. Un truc de géolocalisation. En partie, oui. Non, c'est pour faire le mal. C'est un diapason. En fait, il le frappe contre le rocher, puis ça lui donne la profondeur ou la distance des ennemis. Non. Une sorte de sonar, quoi. Ça lui donne le la 440 pour accorder sa guitare. Non, c'est pas en hertz, non. On a un ami qui dit à écrire sur le rocher. Pour écrire,
il est interdit d'interdire des choses comme ça. Non. Alors, comme la question est un peu multiple, celle-là ne donnera de point à personne. C'était un moment de pure culture. Attends. Comme c'est une dent, il y a un nerf à l'intérieur, c'est pas pour déterminer la température ou les changements de courant. Alors, on va donner le point à Nico. Effectivement, donc, comme c'est une dent, elle est dotée de capteurs nerveux, donc qui permettent à l'animal de recueillir des informations sur la température de l'eau, c'est une chose, mais, et c'est là, c'est assez fou, sur la quantité de sel et la présence de poissons. Et donc, ça peut arriver que cette dent se casse. Et en général, comme elle ne repoussera pas, comme pourrait le faire une dent d'adulte, il se débrouille pour la boucher. Alors, dans le sol, il va se démerder pour la boucher avec des petits cailloux du sable et compagnie pour que le système nerveux continue à fonctionner et qu'il puisse encore continuer à capter les mêmes informations. D'accord. Il s'en sert pas pour prendre la température à ses congénères, alors. Non, ce n'est pas une sorte. Oui, mais c'est pas un thermomètre anal. Et d'où t'as vu qu'une dent d'adulte, ça repoussait, toi? Non, j'ai dit justement que ça ne repousse pas comme une dent d'adulte. Ouais, je pensais justement que t'avais dit que ça repousse pas comme une dent d'adulte. Bref. Oui. Ben oui, ça ne repousse pas. Bah, comme place tes virgules où il faut. Place tes virgules où il faut. Enfin, ah, alors attendez, je reçois un message privé Discord. Donc, Vendry vient d'être. On vient d'enlever tous les points Vendry qui est donc à zéro. D'accord. Question suivante. Ah oui, non, mais c'est important de comprendre le caractère fasciste de l'animation de cette émission. Solidarnosc. Je vous propose deux dernières questions. L'avant-dernière. Le Liechtenstein et Haïti furent intimement liés, mais pour quelle raison? La banque. La fiscalité. Non. Mais si. Pour un mariage? Quoi? Il y avait un mariage? je ne comprends pas ce que vous dites. C'était pas invité? Non, je veux dire, Liechtenstein devait avoir sûrement un roi quelque part. Il devait y avoir aussi peut-être une reine en Haïti. Ils se sont mariés? Non. Merci de préciser, James, parce que comme ça, c'était pas clair. Bon, voilà. Mais demande-moi, c'est pas de problème, je t'explique. Alors, là, la question comme ça est très vaste. Hein. Pas du tout d'idée. Est-ce qu'il faut que je donne des indices que je précise? C'est la taille, non? C'est tout petit? Non. Bon, un indice. Moi, je veux bien. Indice. C'est pour des questions de représentation internationale. Ils n'étaient pas assez grands pour avoir un siège à l'ONU. Du coup, ils ont partagé un siège. Non. C'est une question de couleur de drapeau, de couleur de représentation. Eh oui. Précisons maintenant, tu brûles, James. C'était du blanc et du rouge, je crois, non? Ils avaient le même drapeau, mais inversé. Alors, je propose qu'on donne un demi-point à James, un demi-point à Nico, qui ont à peu près répondu tous les deux. Aussi incroyable que ça puisse paraître, les drapeaux du Liechtenstein et d'Haïti furent longtemps identiques. Et personne s'en était aperçu. Et c'est qu'en 1937, c'est fou, hein, que la couronne fut ajoutée sur celui du Liechtenstein après que l'équipe nationale aux Jeux Olympiques de 1936 se soit rendue compte, tout à fait par hasard, qu'ils avaient le même drapeau que celui d'Haïti. T'imagines les mecs qui se croisent? Ah ben, on a le même drapeau, dis donc. Ouais, on n'a pas le même compte en banque, par contre. Et puis, on n'a pas la même gueule entre Haïti et Liechtenstein. C'est marrant comment les Jeux Olympiques hitlériens ont fait avancer quand même les rapports internationaux sur bien des points. Ouais, c'est rouge et bleu, oui. Tu n'as pas cherché sur Google, quand même, James. C'est interdit. Mais je veux confirmer ce que tu viens de me dire. C'était rouge et bleu. Seulement que celle de Liechtenstein, il y a une couronne qui apparaît. Tout de suite. Ouais. Et une question pour finir. Nous allons rester dans la nature. Dernière question de cette soirée. Après, je laisserai la parole à Dave qui a une annonce importante à faire. Quel est l'animal qui a la plus longue période de gestation au monde? La baleine. La baleine non. bleue. Non. La baleine bleue, c'est 11 mois et demi. Non. C'est pas l'éléphant? Non. Est-ce qu'on compte la période de gestation intra- et extra-utérine comme les marsupiaux? Tu comptes que la intra-utérine. Est-ce que c'est... Donc c'est un mammifère. C'est pas un mammifère. L'hippocampe? Non. Est-ce que c'est un reptile? Ce n'est pas un reptile. Le pingouin? Alors, le Ju, ce n'est pas un mollusque. Et Nico, ce n'est pas le pingouin. Est-ce que c'est... Le manchot? Non. Mammifère marin? Ah non, t'as dit pas mammifère. C'est un insecte. Ce n'est pas un insecte. Terrestre ou marin? Je suis en train de réfléchir à la période de gestation pour un insecte. Pour un ovivipare, ça me prend un peu compliqué. C'est un... Pardon, Vendry? Animal terrestre ou marin? C'est un animal marin. L'espadon? Non. L'orque. Le requin? Alors... Ce n'est pas l'ornithorynque, ce n'est pas le poulpe, mais c'est une variété de requin. Mais c'est le requin quoi? Pèlerin? Non. Le tigre. Requin tigre? Non. Marteau? Le Pan Jackson? Non. T'as dit quoi, Van Gogh? Le requin de Pan Jackson? Non, juste, et c'est complètement fou, ce requin-là, le requin quelque chose, peut avoir une période de gestation allant jusqu'à 3 ans et demi. Le requin baleine? Non. Le pointe blanche? Non. Citron? Le requin léopard? Alors, je pense que vous ne connaissiez pas ce requin, donc lâchez-vous. Tentez-le à la zobe. Je vous donne un indice.
C'est le requin. Le requin chasse. À moins que tu aies une réponse qui vienne du chat, du. Non. La roustette. Non. C'est le requin quelque chose, et le quelque chose, c'est le nom d'un autre animal. Le requin tête de chien. Non. Le requin éléphant. Le requin... Non, Dave. Je vais te faire courir. Le requin renard. Non. Le requin renard. Le requin tortue. Ça existe, le requin renard. Rigole. Mais oui, mais c'est hyper rigolo. Bah si, je rigole parce que ça me met en joie. Donc, non. Le requin phoque. Le requin aigle. Le requin chat. Non. Le requin poisson. Non. Laisse les autres répondre un petit peu. Le requin singe. De... Bon, je vous dirai pas qui c'est, mais vous en doutez. C'est un Suisse. Non. Allez, faut proposer. C'est le requin sage. Non. Le requin poupe. Non. Le requin serpent. Le requin phoque. Non. Non. Pour le requin loutre. Pour l'instant, je dirais que c'est James avec sa proposition qui est le plus près de la bonne réponse. Le requin serpent. Vipère. Non. Cobra. Le requin king. Le requin. Non. Le requin king. Non. Le requin trop. Non. Le requin lézard. Le point va à Nico. Pouah. Effectivement, c'est le requin lézard. Après, il est proposé de 2527. Variété d'animaux connus ou inconnus, vivants ou imaginaires. Ah ben, t'as dit là chez vous, j'ai tenté. Effectivement, c'est le requin lézard. Donc c'est un animal, voilà, on nomme ces animaux des animaux préhistoriques, même si ça ne veut pas dire grand-chose, hein, qui est très rare et qu'on peut observer normalement que dans les grandes profondeurs. Il y a quelques vidéos, tapez requin lézard sur Google, c'est dégueulasse. C'est flippant. Il y a Nico qui l'avait proposé à minuit 3. Ah mais t'as pas suivi aussi. Ah non, c'est fou. Mais en fait, non, c'est James qui m'a orienté. Mais écoute, écoute, il n'a pas fait remonter l'info, mais bravo à Neko. C'était Neko qui l'a proposé. Ouais. On peut lui dire bravo quand même. Elle a vu la bonne réponse aussi. Et donc, vous pouvez faire la curiosité de taper requin lézard sur Google, tous chez vous. Et c'est dégueulasse comme bestiole. Alors moi, je déteste ça en plus. C'est bestiole, c'est ma phobie. Alors là, c'est à gerber. Voilà. Donc, c'en est fini pour moi. Bravo à vous tous. Bravo à Nico pour cette dernière question. Donc, attendez, je fais un décompte des points. Hein, Van de Gris, 0. Hein. Le vainqueur est James. James qui a 12 points. Bah, merci. Okay, merci beaucoup. Félicitations. Quelle mauvaise foi. Les voleurs. Bah, voilà, nous l'ont volé, le précieux. Plus ou moins italien. Ça, à un moment, il faut bien que ça s'exprime. C'est le foie qui s'exprime. Bravo pour votre sagacité. Je vais maintenant laisser la parole à Dave qui a une annonce importante, que dis-je importante, primordiale à nous faire. Oui, merci au Forceps pour tes questions. Merci au Forceps. La prochaine émission qui aura lieu donc dans 2 semaines sera une émission dans un format hors série, un peu spécial, pour lequel nous allons demander à nos auditeurs de proposer des questions qui seront posées à nos bistronautes. Il faudra essayer de les secouer pour en faire sortir toute la culture ou la connaissance, l'intelligence peut-être, hein, on ne sait jamais, qui pourront nous tirer de vos questions. Donc, vous pouvez adresser vos questions en privé à moi-même. Vous pouvez me retrouver donc sur le Discord sur lequel est diffusée notre émission. Envoyez vos questions, soyez relax ou sérieux, faites dans la science ou dans les questions peut-être, allons-y, métaphysique ou existentielle si vous voulez. Liberté donnée donc à nos auditeurs de proposer les questions et nous passerons au grill à la prochaine émission, nos participants. Merci à tous. Merci Dave. Merci à tous. Allez, le petit coucou, au revoir, James. Oui, une petite denvon pour finir. Est-ce qu'on peut utiliser, tu parlais de métaphysique, mais des métaburkas, on peut aussi? Ok. Bonsoir tout le monde. Et tu nous salues pour le chat aussi également. On va remercier nos auditeurs qui ont été là pour participer. Nico. Ouais, merci à tous. Et au Forceps, notre hôte. Merci. Et Van Guegri qui est sorti de son trou à rat d'IRC. Je vous déteste, mais merci quand même. Merci beaucoup et à bientôt tout le monde. Merci à toi. Au revoir. Tous. Merci, je vous aime.